Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Tony qui nous avait précédemment présenté il y a un an environ son S3 8L qui est de quelle année pour rappel? 99. La fois dernière elle était dans une config avec autour de 450 chevaux effectivement. Pour refaire un petit tour sur l'esthétique. On a des jantes tech. Oui, bien sûr. Trier Porsche, 6 pistons de Porsche Cayenne, à l'arrière également, double étrier. Bon, le petit il sert juste pour le frein à main. Après, niveau esthétique, par rapport à la dernière fois, petit lustrage vite fait et puis voilà. Sur la partie châssis, elle a quand même été rabaissée, donc qu'est-ce que c'est? Oui, ressort court, combiné. Combiné fileté, c'est tout ce qu'il y a après niveau châssis. 2-3 stickers, hein. 77 c'est quoi d'ailleurs? 77 c'est le numéro que j'ai fait au King of Clusters la dernière fois. Ah. J'ai remporté ma catégorie d'ailleurs, la catégorie 400-600, j'ai ramené la coupe. Ah oui, ça fait quand même une grosse fourchette 400-600. Oui, c'est une grosse fourchette, oui. Et puis ce qui est spécifique à la S3 8L, donc voilà, les rétroviseurs alu. En aluminium. Bon là, il y en a un qui... Il y en a un qui est parti en vacances. Tu vois, ça choque pas parce que sur ces générations-là, je sais que sur les versions A6 et certainement d'autres modèles, il y avait un côté où il était plus petit d'origine. Oui, tout ce qui est Golf 4, A3, etc., c'est un petit. Il y a juste les versions S où ils ont mis deux grands. On peut... revoir l'intérieur rapidement. Donc pour rappel, le volant n'est pas d'origine. Pas d'origine. Donc de mémoire, c'était un volant des 8P. 8P, oui, bien sûr. Qui a été refait après, le tissu a été refait, etc. à neuf. Ouais. Les surpiqûres, etc. en rouge. Rouge et blanc. Ouais. Je suis un peu petit, désolé. Ouais. Les sièges d'origine, j'adore. Hein. Ouais, bah oui, pas très d'origine encore une fois. Donc Oreca. Ouais, c'est ça. Sinon, bah, boîte manuelle, hein, bien entendu. T'as changé les manos? Oui, j'ai changé les manos pour passer en digital. Premier, pression de turbo. Le deuxième, pression d'huile, et le troisième, température d'huile. Puis là, on a un petit accès magique. Oui, c'est ça, petit accès magique pour les petits boutons. Ouais. Après, c'est pour changer de map, pour le procédure de départ, etc. Ce qui est lié à la gestion, quoi. Donc, 4 boutons, mais combien de cartos? 2. Un mode off et un mode full. Bon, bah écoute, Tony, allez, je te laisse ouvrir le capot moteur. On va parler de ce qui intéresse certainement le plus sur cette vidéo. La prépa, qui est tout simplement folle. Ouais. Sur cette petite S3. Par rapport à la fois dernière, tout a été changé. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Le bloc a été réalisé pour passer en 2 litres. Donc on n'est plus sur de l'inlitude comme la dernière fois. Turbo qui a été changé aussi, qui est passé en montage haut. Après, beaucoup de changements qu'on ne voit pas beaucoup aussi. Interne moteur qui a été changé, piston, bielle, ça a été changé, fil broker aussi. Embrayage, une boîte de vitesse faite maison aussi. Parce que d'origine, les boîtes d'S3, c'est très court les rapports. Ouais. Donc, du coup, on a fait un mélange de boîtes de TDI avec de boîtes de S3. Donc, tu as un étagement qui est plus long. C'est ça. Bah, on voit tout de suite EQMaster, donc le bien calculateur sûr. Qui a été changé. Oui. Qu'est-ce que ça apporte de passer sur un calculateur EQMaster par rapport à un calculateur d'origine? Bah, ça apporte beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de réglages par rapport à un calculateur d'origine, parce que là-dessus, le calculateur, c'est un peu archaïque à régler. Donc on peut mettre des accessoires comme les boutons, on peut contrôler d'autres accessoires comme le 4 roues motrices que j'ai moi qui se désactive. Après c'est beaucoup plus facile à régler, on peut mettre tout ce qu'on veut en fait, c'est nous qui faisons toute la carto de la voiture. Et oui, de A à Z. C'est bien que tu mentionnes ça parce que de mémoire, tu avais la possibilité de passer d'un 4 roues motrices à uniquement de la motricité à l'avant. Oui, c'est ça, pour de l'efficacité d'heure. Alors, tu parles d'efficacité, alors c'est du coup quand on atteint une certaine vitesse et que du coup on passe du 4 roues motrices à la traction, oui. En fait c'est bénéfique. Oui, parce qu'en fait il y a moins d'entraînement. Donc du coup moins d'entraînement dit plus d'efficacité, plus facile à monter en vitesse. Première, deuxième, troisième, j'ai le 4 roues et dès que je rentre la 4, il me le désactive. Ah, donc c'est automatiquement la 4. Mais oui. Est-ce que si l'EQMaster il se dit qu'en 3 il a la possibilité de couper l'arrière, il le coupe ou non. C'est qu'à partir de la 4? C'est qu'à partir de la 4. Ah oui, donc ça c'est chose que tu peux pas faire avec un calculateur d'origine. Non. Je peux pas le faire. Ah oui, oui, donc c'est vraiment réservé, oui, oui c'est un ça. Peu à la course en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est un calculateur ouais. Pour la course. On voit du coup qu'on n'est plus sur une durite en silicone. Oui. On est sur De l'inox. Qu'est-ce que ça change de passer sur du silicone à de l'inox? On sait que la durite en silicone peut se gonfler pour absorber plus d'air, mais ouais, l'inox. Mais en fait, l'inox est pour en fait plus d'accessibilité parce qu'avant ça frottait sur ma durite de chauffage et du coup ça me l'a perçu une fois déjà. Je suis en embrayage bidisque aussi par rapport à la dernière fois. Ouais. Donc avec deux disques d'embrayage, qui supportent mieux la charge, le couple, ça supporte beaucoup de couple, 1000 Nm à peu près. Donc est-ce que c'est un peu plus dur à la pédale du coup? C'est plus agréable à la pédale, comme l'origine. Ah, au contraire, d'accord. Oui, au contraire, c'est okay. Comme l'origine. Ouais, on se rappelle, du coup, il y a les durites d'échangeur, c'est ça? Oui, bah, l'échangeur a été changé aussi. Ah oui? Oui, l'échangeur et radiateur alu.
un échangeur Wagner, c'est le, pour ce modèle, c'est le plus gros. Et le radiateur à lui, parce que c'est une voiture qui. J'ai eu un peu de beaucoup de problèmes à clastre, de chauffe moteur. Bah, les 20 VT, ils aiment pas ça. Hein. Non, ils aiment pas la chaleur. Ouais, effectivement. Ça chauffe beaucoup. Tu parlais du turbo là tout à l'heure. Oui. Donc est-ce que ce turbo maintenant il charge un peu plus haut, un peu plus bas? Oui, comment ça se passe? Il charge un peu plus haut et il charge plus fort aussi, du coup, vu que c'est un plus gros. Tu es obligé de le mettre parce que l'ancien, de toute façon, il supportait pas pour les 600. Pour ouais. Les 600 plus. Hein. Donc du coup, voilà, plus gros carter chaud, la turbine plus grosse. Là, je suis monté en top mount, qu'on appelle ça, parce que pour décomprimer un peu la descente, parce que la descente, j'étais vachement comprimé. Et puis, voilà, après, c'est un peu d'esthétique aussi. Ouais. J'ai pour souvenir que ta rupe était décalée. Oui, c'est ça. Elle l'est encore plus maintenant? Non, on l'a gardée, 7006. Bon, Tony, parle-nous de chiffres maintenant. On est à 640, dernier passage au ouais. Banc. Après, on n'a pas repassé au banc depuis qu'on a fait quelques mises à jour encore, mais ça n'a pas tellement augmenté. Donc là, c'est 640 et 750 newtons de couple. 750 newtons, ouais, oui. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Avant de nous faire écouter le bruit de l'échappement, qu'est-ce que tu as niveau ligne? Niveau ligne, bah, c'est comme la dernière fois. Hein. Clapet ouvert, je suis pratiquement full tube, juste un petit résonateur pour éviter le bruit de casserole, comme on appelle ça. Et clapet fermé, j'ai deux silencieux derrière. Là, mon clapet ne marche plus en ce moment. Ah, donc c'est, là, pour, c'est... Le clapet pour fermer, du coup, il ne marche ça. Plus. Donc ouais, c'est tout le temps, c'est tout le temps la guerre. Eh bien, écoute, montre-nous ça. Ouais. Je me rappelais que ça chantait, mais ouais. J'avais oublié que ça chantait aussi fort. Et puis effectivement, on n'a pas de pop and bang ou autre en fait. Non. Je peux le mettre avec. Si j'appuie sur anti-lag, je peux le mettre, mais ça fait juste un ou deux petits pops. Ouais, c'est bon, Tony, on a réussi à lui donner à boire. Ouais, ça y est. Donc t'as une contenance d'à peu près 60 litres et c'est environ 300 km. C'est ça. Après, ça dépend comment on roule avec. Ouais. Puis, t'as l'éthanol aussi, hein? Oui. Donc 100%. Hein. 100% éthanol. Ça te fait une consommation qui est quand même relativement élevée. Après, c'est vrai que l'éthanol, c'est. On dit un quart de consommation en plus. Mmh. T'as senti qu'elle consommait un petit peu plus avec l'apport de prépa? Oui, consomme beaucoup plus. Oui. Ah oui, beaucoup plus? Oui. En tout cas, ce que je dois dire, c'est que j'avais oublié à quel point c'était ferme. Ah, c'est un peu ferme, oui, tout à fait. Parce que tes sièges, on est super bien dedans, mais la voiture en fait est tellement rigide que tu sens toutes les aspérités de la route. Hein. Ouais. Par contre, ce qui est agréable avec ta ligne, bon, même si derrière c'est tout le temps la guerre avec ton problème de clapet, c'est qu'on n'a pas de bruit de bourdonnement. Non. Franchement, c'est supportable. Ouais. Ça fait du bruit, mais ça casse pas la tête. Je trouve aussi, ouais. Et puis là, ta préparation, bon, on a un petit indice au niveau du pare-brise arrière. Donc, elle vient de chez MTR, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle vient de chez MTR, de Ballancourt sur Essonne. Donc, j'imagine que par rapport à l'année dernière, quand tu étais autour de 450 chevaux, là, aujourd'hui, tu ressens quand même une belle différence, non? Ah oui, une belle grosse différence. Belle grosse différence, ouais. Tu nous proposais, Tony, de faire une petite accélération du coup en mode off, donc avec pression basse. C'est ça. On développerait à peu près quelle puissance là? On est vers les 550 à peu 550 près. 550 chevaux. On serait en deux, j'imagine? Ouais, en deux. Bah, du coup, tu peux voir. Alors, c'est beaucoup plus jouissif que la M140i. Ouais. Tu ressens tout? Ah, tu ressens tout là. Ah ouais. Là, ouais. C'est... Par contre, on sent un sacré lag hein, quand tu passes les rapports. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui volontairement ne brutalise pas la boîte. Ouais, je brutalise pas trop la boîte. Mais waouh, ça marche. Hein. Ah oui, ça marche. Et on va avoir encore une belle différence en forte pression. Ouais. Parce que là, ça chargeait à combien là en pression turbo? Là, on est à 2 bars. Et là, on va charger à? Et là, on est à 2 bars 7, dans les environs 2 bars 7. Je le fais très rarement parce que c'est beaucoup d'efforts pour le moteur. Ouais. Tu ressens quand même un petit peu l'effet on-off, hein. Tu sens quand ça charge. Ouais, c'est ça. T'as rien et t'as tout d'un coup. Ouais. T'es obligé de passer tes rapports lentement. Surtout le 2-3. Ouais. 2-3, ouais. Je fais assez lentement parce que la 3, elle a tendance à craquer des fois. Là-dessus, tu peux pas faire de départ arrêté. Si, je peux. À Clastre, à King of Clastre, j'en ai fait des départs arrêtés, mais je priais pour pas que ça casse. Est-ce qu'à Clastre, t'as fait du 0-800 mètres ou pas? Oui, j'ai fait 0-800 mètres. Ça flash à combien? À 260. Pour mémoire, avec ma petite Kia Caterès à l'époque quand elle était d'origine, ça flashait entre 180 et 185. Donc
Donc ouais, on voit le delta qui est pas loin de 100 km/h. Hein. Ouais. C'est affolant. Qu'est-ce qui flash dans les 250, 260 de la GTR Ouais, c'est ça, ouais, dans ces environs-là. Préparé, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a un truc qui m'a fait rire, Tony, tout à l'heure, c'est que je t'ai demandé quelle était la voiture la plus violente dans laquelle tu es monté. T'as réfléchi, puis tu m'as dit, bah la mienne. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu vas peut-être pouvoir nous mettre la haute pression. On sera dans taxi, le truc. Après, je vais pas le faire en deux. Oui, là, tu vas partir en trois. Et donc là, on devrait avoir autour de 100 chevaux supplémentaires. Bien la différence, ouais. Ça marche extrêmement fort, mais je reviens sur la M140i. J'ai peut-être plus de sensations ici, mais je suis quasiment certain que tu mets la M140i à côté, la M140i est devant. Oh, je pense aussi, oui. Peut-être pas de beaucoup, mais je pense aussi. Ça peut aussi se justifier par la boîte. Oui, ton M140i, dernière voiture de dernière génération, moteur aussi, une grosse boîte très efficace. Tu penses continuer dans la prépa ou tu t'arrêtes là? Non, je pense que je vais m'arrêter là. Là, je pense qu'on a largement assez. Ouais, complètement. Ouais. Donc là, j'imagine que ça doit être l'une des S3 8L les plus puissantes de France. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ça te permet de tenir quoi comme caisse là? Tout ce qui est supercar déjà. Ouais. Tout ce qui est Lamborghini, Ferrari. Je dis pas toutes, hein, parce qu'il y en a sont un peu puissantes. Ouais, ouais. Mais après, en voiture prépa, comme les 140i en stage 3. Mais c'est quand même affolant de te dire que tu es sur un bloc, entre guillemets, 1 litre 8, même si là on est sur du 2 litres. Enfin, incroyable qu'on arrive à sortir ces puissances-là. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Parce que là, le 100 à 200, c'est donné en quel temps à peu près sur la carte au hard? En 5.4 normalement. 5.4. Tout à l'heure, pendant le vlog, on disait que les moteurs 20VT avaient tendance à beaucoup chauffer. Ouais. Des accélérations comme ça, j'imagine qu'il ne faut pas en faire 5-6 d'affilée. T'en fais quoi, 2-3? Il faut en faire très peu, ouais. Parce que c'est quoi qui chauffe majoritairement? C'est les températures d'admission? C'est le turbo? C'est quoi? C'est le moteur en lui-même, le liquide de refroidissement qui chauffe beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité justement de changer le liquide de refroidissement moteur par quelque chose de plus performant? Non, pas vraiment, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà mis des radiateurs, Nalu, etc. pour améliorer le truc, mais après quand ça veut chauffer, ça chauffe. Parce que là ton huile elle monte à combien là après 2-3 reprises comme ça? Là on était à 102-103 déjà. Ça va? Ouais, mais c'est déjà. Ah ouais? Ouais, déjà. Bah pourtant tu vois, moi sur ma Focus 102-103 c'était totalement normal. Hein. Ouais, les températures d'huile qui montaient bien au-delà sur le circuit. Hein. Oui, après c'est sur circuit. Ouais. Donc ça veut dire que cette caisse tu pourrais pas faire du circuit avec, elle souffrirait trop de la chaleur? Non, ouais, on la casserait sur le circuit. Ouais. C'est vraiment fait que pour du drag. Ouais. Et le drag généralement. Après ça c'est les grosses voitures, c'est tu la démarres à la ligne de départ et tu l'arrêtes à l'arrivée. On la laisse pas tourner au ralenti ou quoi que ce soit. Tu te fais quelque chose sur la partie mécanique qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a ta Westgate externe qui crache au sol sous mes pieds. Oui, c'est ça que t'entendais, juste devant. Nous parler un petit peu de toi, ta passion, elle était venue comment? Elle est venue depuis très très petit. Depuis que j'ai regardé des émissions de télé, des voitures, genre comme Pimp My Ride ou un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Ton papa aussi? Ouais, mon père aussi. Mon grand-père qui était dedans aussi. Bah, je remarque hein, de toute façon que la passion se transmet souvent de père en fils. Hein. Ouais. Est-ce que tu as une petite idée de la voiture qui viendrait la remplacer? Pas vraiment. Après, j'ai une Clio 3 RS à côté, peut-être la passer en turbo pour avec le même nombre de chevaux. Mais bon, ça après, ça reste qu'un projet banal pour le moment, on va dire. Bon, après, sinon, comme voiture à acheter, je sais pas ce qui pourrait la remplacer. Parce que c'est compliqué d'avoir autant de sensations dans une autre voiture. C'est ça le problème. Moi, je vais donner mon avis. Bah écoute, S3 8L, il y a quelque chose que tu m'as fait remarquer tout à l'heure, c'est que c'est une génération qui est beaucoup aimée par les passionnés. Oui. Parce que c'est une voiture qui se prépare bien, enfin, quand les préparations sont bien faites. Mais c'est vrai que cette génération a son petit charme avec ses formes bombées, tout ça. Et puis, on était sur les premiers modèles S3, non? Oui, c'est les premiers modèles. C'était les modèles les plus hauts du modèle A3. Ouais. S3. Il n'y avait pas des S3 encore de ce temps-là. Après, je vais surtout me concentrer sur les sensations procurées qui sont
totalement folle. Hein. Ouais. Franchement, c'est phénoménal. Et puis, c'est à coup, quand tu passes les vitesses, tu ressens tout. Quoi. Ouais, bah, tu ressens toute la mécanique. Ouais, ouais, tu ressens toute la là, mécanique. Y a aucun électronique. Ouais, ouais. Et tu vois, tu ressens plus la vitesse dans celle-ci que dans la M140i. Ah oui, après, oui. C'est normal, voiture beaucoup plus moderne. Et oui, la M140i, c'est plus aseptisé. Ouais. Bon, bah, ok, Tony. Bah, écoute, on va te remercier d'être venu nous la représenter une nouvelle fois. Ouais, y a pas de souci. Voir ses évolutions. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao, salut. Ciao. Salut.